Bonjour, cher ami, et bienvenue à cette troisième étude qui a pour titre La cage. La leçon de cette semaine a pour titre La cage, comme je viens évidemment de le dire. Et tout au long de notre étude, nous allons analyser un aspect de la souffrance humaine. Je suis accompagné de, de Samuel et de Martial. Bon, vais, Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Martial, veux-tu nous unir dans la prière avant d'approfondir cette leçon Avec plaisir. Notre Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te remercier de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous trouver, retrouver autour du texte inspiré. Et tu as énormément de choses à nous apprendre. Tu veux nous enseigner. Alors, Seigneur, accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons ouverts à l'influence de ton Esprit et que nous puissions entendre, mais également appliquer dans nos vies de tous les jours. Garde-nous et que ce moment soit vraiment un moment plaisant, dynamique et intéressant pour tout et chacun. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'histoire des enfants d'Israël. Après, nous ferons un peu un tour sur euh, la tentation de Jésus-Christ et tirer quelques enseignements pratiques. Mais avant donc, de mettre les pieds dans le plat, comme on dit, euh, quand on parle d'épreuve, Avez-vous des personnages bibliques qui vous viennent en esprit, par exemple, qui ont traversé des épreuves dans leur vie Je ne sais pas, Samuel euh... Merci. Euh, moi, le personnage. En fait, mon personnage préféré euh, dans la Bible, mmh. dans l'Ancien Testament, c'est Joseph. OK. Il est passé par des euh, épreuves, on va dire, euh, bouleversantes. Mmh. Euh, Vendu par ses frères. Là, je, je passe rapidement. Mais surtout, arrivé en Égypte, tout semble chez euh, euh, Potiphar donc ça allait bien parce que euh, Potiphar lui a confié tout. Mmh. Et puis il y a Madame Potiphar <laughs> <laughs> qui est entrée en scène et qui l'a tenté. Mais j'aime beaucoup la réponse qu'il a donnée à Madame Potiphar. Comment ferais-je un si grand mal et pêcherais-je contre Dieu Mais tous les jours, euh, Madame Potiphar est venue et nous connaissons la suite. Finalement, euh, il, il s'est retrouvé en prison. Et, et, et le drame, c'est que c'est quelqu'un qui est resté fidèle à Dieu euh, et, et malgré tout, il se retrouve en prison. Tu as choisi un bon personnage parce que l'histoire de Joseph, euh, je pense qu'elle est de l'actualité aussi, hein, mm -hmm. dans ce cas. Et Martial, toi, tu... Alors Samuel a choisi donc un personnage de l'Ancien Testament, oui, toi, tu comme choisis, ça. Euh... Oui, Nouveau Testament, mais j'aurais pu parce que d'une manière générale, qu'on ouais. interpelle euh, sur euh, ce type de question, on voit Job tout de suite. Ouais. Euh, Job oui, ou, ou, sûr. Ou, là, voilà. Mais j'aimerais euh, proposer peut-être à nos invités également de voir une autre perspective, quelqu'un ouais. du Nouveau Testament et... Euh, J'ai envie de prendre euh, Paul. Non, allez, Pierre. On prend Pierre. Pierre, <laughs> Pierre. Okay. Pas Pourquoi Pierre, Pierre Il était particulier, il était disciple ouais. de Jésus. Donc au contact du maître, euh, sûr de lui, euh, déterminé à ouais. avancer. Et pourtant, il va passer euh, par des moments très délicats. Ouais, Et d'ailleurs, ouais. c'est lui qui avait juré hein, qu'il ne renierait jamais, jamais. le Christ. Hein. Bah, voilà, je te jure, mais je suis trop fort pour ça. Et pourtant, euh, Jésus va lui dire humblement, bah, « Écoute, avant que le coq ne chante, tu vas me renier. » Et Pierre finalement va, va passer par ce qu'on qu apprend aujourd'hui, la ouais. dépression, j'ai envie de dire, hein, une espèce de dépression, mais euh, au travers de, de tout cela, il apprendra et il n'abandonnera pas. Certains auraient pu tout jeter et euh, faire autre chose. Bah, bah, je pense que même ton personnage aurait pu oui, faire ouais. ça. Devant les difficultés, c'est mon Seigneur, j'arrête, je fais ma vie. Lui aussi, il aurait pu euh, tout arrêter. Néanmoins, je crois que ça a été pour lui un tremplin pour aller plus loin et plus fort avec euh, le, le Christ. Donc voilà. Euh, Intéressant. <laughs> Les deux personnages que vous avez choisis ont tous euh, quelque chose en commun. C'est euh, la nation euh, israélite. Ça. Et, et alors, quand on parle du peuple d'Israël, on sait que ce peuple a traversé beaucoup d'épreuves, hein. beaucoup de, de situations. Par exemple, la sortie de l'Égypte, mm -hmm. de l'Égypte pour arriver à Canaan, c'était aussi une, une épreuve. Mais euh, avant d'analyser une partie de l'épreuve de la vie des enfants d'Israël, pensez-vous que le peuple a effectivement fait un tour en Égypte, archéologiquement parlant, ou bien si on <laughs> essaye de, de sortir un peu de la Bible, est-ce qu'ils ont fait un tour en Égypte euh, dans le passé ouais, ou pas Je vais laisser euh, Martial euh, répondre directement, parce que moi, euh, euh, ce qui est le plus important pour ouais. moi, ouais. euh, permets-moi de le dire, c'est... Euh, l'expérience de, des enfants d'Israël en Égypte est, est, est confirmée ah. par Jésus ah. et par les auteurs du Nouveau mm -hmm. Testament. Il y a une cohérence ouais. euh, très très marquée ouais. euh, dans l'Épître aux Hébreux. On relate euh, mm -hmm. cette expérience euh, de foi des enfants d'Israël en Égypte. Mais je vais laisser euh, Marcel <laughs> parler de la preuve extraordinaire. Oh la preuve, je ne sais pas si ça en est une. Je ne pense pas qu'il n'y a, a pas beaucoup de preuves quand même dans Alors là. oui, alors l'idée c'est de, de se dire qu'en Égypte, euh, et de se poser la, une question critique, hein, comment se fait-il qu'un peuple aussi nombreux, on va grosso modo hein, euh, dire qu'ils étaient 2 millions quand même, qui ont vécu là pendant des centaines d'années, oui. ne laisse aucune trace de leur passage en Égypte en effet, aujourd'hui, archéologiquement, il n'y a aucune trace, zéro. Mmh. Ce qui fait euh, douter certains, effectivement, 400 ans, mmh. 2 millions de personnes, ils auraient dû forcément avoir des traces. Et c'est assez récemment, euh, autour de, de fin, fin du 19e siècle, donc euh, il y a un archéologue qui trouve une stèle haute euh, de 3 mètres, mmh. large de, ouais. de 1,50 m. Euh, et ça s'appelle La stèle de Merenpat. Merenpat, mmh. étant le fils de, de Ramsès II. Un ouais. des fils de Rams Ramsès II. Et, euh, et puisque je suis abonné à... Bon, voilà, je ne vais pas <laughs> faire de publicité <laughs> ici, mais je suis abonné. Et donc j'ai reçu euh, un ouvrage que je lisais, ouais. donc une revue scientifique. Et effectivement, apparaît pour la première fois... Hein, alors que tout le monde disait, mais non, il n'y a aucune trace, mais ouais. voilà, pour la première fois apparaît sur cette stèle. Alors, ils ne sont pas sûrs, soit Israël, soit Israélite. Ouais. Donc, mais on sent, voilà, maintenant qu'il y a, y a une, quelque chose. Là. Il y a quelque chose. Très, donc, euh, moi, j'ai envie, euh, donc si on parle vraiment scientifiquement, j'ai envie d'être humble. Euh, il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années, centaines d'années, on disait que la Terre était plate. Oui. Bon. Qui oserait maintenant euh, dire <laughs> que la terre est plate. Donc du coup, je crois que quand le, le texte nous invite à, à, à acquérir des éléments, il faille le prendre comme il le propose. Euh, mais au-delà de, de ça, au-delà de ça, me semble-t-il, il est important de reconnaître et d'entendre les enseignements tirés de mmh. ces histoires. Parce que j'ai envie de dire, que ce soit réel ou irréel, par oui. exemple des, des euh, paraboles, Jésus utilise énormément de paraboles, euh, Lazare euh, dans, dans l'enfer qui mmh. crie et tout, bah, c'est une parabole, oui. mais quel est donc l'enseignement pour moi aujourd'hui C'est ça ça que... le plus important. Ouais. Exactement, ouais. c'est ça le plus, le plus important. Euh, je, je rappelle encore à nos amis que, que le texte biblique dira encore que le grain de Sénové, c'est la plus petite graine qu'on puisse trouver au monde. Est-ce que c'est le cas bah, Scientifiquement, non. Si on appelle un botanique, il dira non, ben non c'est pas vrai. Mais euh, est-ce est là l'important, le plus important Le message. Exactement, le message, l'enseignement qui est derrière. Ouais. Qu on, on, et c'est valable encore bon. Je m'arrête, mais quand c'est valable pour le, 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 le quand vous criez au oh, loup, au oh, loup. Oui. Ben bah oui, mais il y a un enseignement dessus, dessus donc on ne retient pas forcément la, la véracité, la réalité. l'enseignement. Absolument. Derrière, et ouais. je crois que la Bible est un vrai euh, puits ouais. sans fond d'enseignement, parce que le Christ, le Dieu veut nous reformater. Et, et au travers donc, de cette histoire, euh, qui que je crois ouais. être vraie, réelle, passage en Égypte, on doit surtout décrypter tout ce que Dieu nous propose. Alors parlons d'enseignement. Comment voyez-vous l'histoire, une partie de l'histoire des enfants d'Israël depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à la mer Rouge Comment vous pourrez présenter cette, cette mmh. histoire en trois étapes, par exemple mmh. Parce que ça a été une joie, et après, il y a eu la peur, et après, la délivrance. <laughs> On peut dire on peut considérer aussi cette épreuve, cette situation, comme une épreuve. Comment tu... Moi, ce que je, je retiens en tout premier lieu, c'est la. Sollicitude, sollicitude de Dieu envers ce peuple, oui. et c'est Exode 13, verset 21 et 22. Hein. Ouais. C'est la colonne de nuée mmh. ne, se, ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, mmh. et la colonne de feu pendant la nuit. Donc, dès le départ, Dieu, cette présence de Dieu était euh, manifeste, ouais. était claire. Pendant le jour, pendant la nuit, il pouvait marcher ouais. jour et nuit. Ça, 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 ça je retiens parce ouais. que il n'étaient pas seul. Il n'était pas désorientés. Ouais. La colonne de nuée était Donc, là. Donc, tu, tu veux par là dire que même dans l'épreuve, Dieu était là avec eux. C'était manifeste parce ouais. que la colonne de nuée était là pendant le jour et la colonne de feu pendant <laughs> la nuit. Donc, c'est la... Le symbole de la présence de Dieu qui Mais, les guide. Qui les guide. Oui. Mais est-ce que la présence de Dieu ne devait pas empêcher l'épreuve euh, <laughs> Ne devrait pas. C'est ce qu'on <laughs> qu pense. Quand Dieu est là, normalement, je n'ai aucun problème. Parce ouais. qu'il gère ma vie, il gère mes affaires. Donc je ne serai pas malade, je n'aurai pas de cancer. Je. Mais je meurs à ah ben, Il a loupé. C'est oui. ce qu'on aimerait. Donc on projette ses oui. propres envies sur ce que Dieu, mm -hmm. Dieu est. Alors Samuel, c'est vrai que tu proposes donc, le, la colonne de nuée, effectivement, qui les accompagne dès la sortie d'Égypte. Mm -hmm. Rappelons-nous qu'il y a eu les dix plaies juste avant. Mais là, il se trouve devant un premier obstacle. Dieu est avec eux, mais ils sont devant un obstacle. Ouais. On fait ouais. quoi Ils vont même maugréer Moïse, mais attends, il euh, n'y avait pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu puisses nous emmener. Euh, mourir euh, dans euh, le désert. Mourir dans le <laughs> désert. Tu abuses, euh, Moïse, alors que Dieu est présent. Donc je crois que c'est assez intéressant comme enseignement également pour nous euh, de se dire, oui, Dieu est dans notre vie, mais c'est pas pour cela que nous n'aurons pas d'épreuves. Néanmoins, euh, ce qui. Importe, c'est de se dire Seigneur, ok, là, il y a une montagne, là, il y a une épreuve. Comment tu peux me faire donc dépasser euh, ce, ce, cette limite Comme les enfants d'Israël, on arrive au, euh, euh, à la mer. Premier réflexe, mmh. mais, mais t'es où en fait T'es où L'inquiétude, la peur, l'impasse. Oui. Et ça, est ça peut se comprendre. On peut le comprendre. Ouais. Mais c'est un, un enseignement pour nous, pour qu'on puisse rester finalement. Euh, Zen. Ah, au début, ils étaient contents hein, quand ils sont partis. Ah, au quelques début. heureux. Ben. <laughs> oui. après, ils 400 étaient fières, ans, après 400 ans, combien de générations d'esclaves. esclaves. Mm -hmm. Mm -hmm. Et après quelques heures euh, ou quelques jours. Quelque jour, quelques ouais. Qu'est-ce Quelque oui. Qu qui se passe Ils sont devant le. En fait, devant eux, il y avait. La, la mer. Derrière Pharaon. À, à gauche, gauche la, la, montagne, montagne. la montagne. À droite, la montagne. <laughs> Pas d'échappatoire, en <rire> fait. <rire> en fait, il y avait juste. Euh, le ciel n'était pas couvert. <laughs> J'aime bien l'image. Et, et c'est là où tu... Il tu, 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 euh, y a juste une anecdote. Il hein. y a un monsieur qui, qui, voilà, qui, qui est parti voler quelque part. C'est une petite histoire. Et il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, derrière, il n'y a personne. Et son fils lui dit, papa, tu n'as pas regardé en haut. <laughs> en fait, c'est que même si on est dans les épreuves, on a l'impression que... « L'eau est toujours ouvert. Qui a mm -hmm. encore espoir que mm -hmm. le Seigneur a. Il y a quelque chose d'extraordinaire de, dans toutes ces expériences-là. Nous voyons un Dieu qui a un fin pédagogue. Effectivement. Donc, il veut enseigner quelque chose. Il veut transmettre Absolument. un Absolument. enseignement dans toutes ces expériences, dans toutes ces épreuves. Mm. Quelle leçons tirer sur Dieu, sur sa puissance sur sa miséricorde, sur sa patience. Donc, c'était aux enfants d'Israël, ch chaque fois, de, de, de tirer des enseignements euh, précis sur qui il est et de quoi il, il est capable mm -hmm. de faire, même malgré euh, les montagnes, l'armée euh, mm -hmm. de Pharaon et la mer. Mm -hmm. Dieu a la solution. Par parlons d'enseignement. En, comment définirez-vous... Euh, la sérénité. Est-ce que c'est l'absence du danger ou c'est la présence de Dieu près de nous dans le danger <laughs> Il y a la réponse dans ta question. <laughs> Il y a la réponse dans ta question. Mais c'est effectivement ça, la sérénité. On pourrait même le dire à, à, à nos amis qui nous regardent. Euh, des difficultés, on en aura toujours. Ouais. Mais Dieu, il promet, moi je serai là avec vous. Et d'ailleurs, je suis là avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais je oui. serai présent et je, vous, je veux vous faire voir également que je suis là. Mais ça permet de nous affiner, d'affiner notre confiance en lui, notre oui. foi en lui. Oui. Le peuple qui sort d'Égypte, ils sont pas habitués à ça. Oui, euh, effectivement, ouais. Ils arrivent là maintenant, tout de suite, ils sont, j'ai envie de dire, dans une éducation. Allez, je veux le dire comme ça, spirituelle, où Dieu va commencer à leur dire, oui, eh ben, vous avez cheminé. Derrière moi, mm -hmm. ce que vous pouvez faire, faites-le. Mais quand vous avez une difficulté insurmontable pour vous, laissez-moi gérer. Et j'ai envie de, de nous dire que peut-être pour nos amis également, c'est le même principe aujourd'hui. Tant que les choses vont plus ou moins bien en chemin ouais. avec le Seigneur, mais quand les okay. choses nous paraissent être insurmontables, il me paraît être essentiel de l'interpeller lui, de, de lui, de et de lui dire Seigneur, écoute, là, je, là, là, je ne vois pas de porte de sortie. Alors, crée-moi une porte de sortie. – Oui, très moins une porte de sortie. Vous, vous venez de dire tout à l'heure que euh, l'épreuve, on est des humains, on doit malheureusement traverser des épreuves. Mmh. Et l'histoire du peuple d'Israël montre que même le peuple euh, de Dieu traverse des épreuves. Mais il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Qui est l'auteur de ces épreuves Est-ce Dieu mmh. ou Satan Parce que quand nous lisons <laughs> par exemple Jacques, Jacques, mmh. Jacques oui. chapitre 1, verset 13, je ne sais pas si, Martial, tu peux… <laughs> Euh, lire. Ben oui, on peut lire Jacques chapitre 1, verset euh... Euh, Verset 13. D'accord, verset 13. Je vais le lire en oui. français courant. Jacques 1, verset 13. Si quelqu'un a tenté, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. Le verset 14, précisément. Verset en 14. En réalité, tous les humains, euh, pardon, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. D'après Jacques, nous sommes tentés par nos convoitises. Mm -hmm. Et quand on lit par exemple euh, la tentation de Jésus, hein, dans Luc mm -hmm. chapitre 4, euh, versets euh, 1 à 2, on nous dit que l'Esprit l'a amené dans le désert pour qu'il soit tenté. Mm -hmm. Mm -hmm. Qui tente C'est Dieu C'est Satan ou Ce qu'il faut savoir, c'est que... Mm. Dans cette, sur cette planète Terre, oui. nous sommes en plein dans le conflit oui. entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Donc, dès le jardin d'Éden, le serpent était là. Oui. Donc, euh, euh, et, et, et dans la Bible, dans, en grec, le mot tentation et épreuve, c'est le même mot. Hein? Oui. <laughs> épreuve ou tentation, c'est le même mot en grec. Donc, euh, Satan est là pour séduire, pour euh, éloigner les hommes de Dieu. Satan est là pour détourner euh, les hommes du, du plan de Dieu qui consiste à les sauver du péché. Mm -hmm. Donc Satan est présent et il ne chôme pas. Il va, on l'appelle d'ailleurs le tentateur. Le tentateur il, ouais. il fait bien son boulot. <laughs> et, 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 euh, et Dieu qui est juste, ouais. euh, d'une part, euh, il ne va pas empêcher Satan de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire tenter et essayer de... Euh, la, la liberté est toujours là. Mm -hmm. La liberté est toujours là. Donc, euh, nous vivons dans ce, dans, euh, sur cette planète-là. Mais d'autre part, il y a ce texte de 1 Corinthiens 10, verset 13, que, oui. que j'aimerais lire, oui. si, si vous le voulez bien, 1 Corinthiens 10, 13, où il est dit... Euh, aucune tentation ou épreuve, donc, Intéressant, ne bien. vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, permettra ne pas. permettra pas que vous soyez tentés au-delà de... de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et c'est cela la justice de Dieu. En d'autres termes, la tentation ne vient pas de Dieu. Oui. Mais Dieu peut laisser la tentation. Dieu permet que il les permet tentations que tentation. venant de l'ennemi ouais. atteignent ouais. Euh, ses enfants. Mais, euh, regardez bien ce qui est écrit. Dieu est fidèle. Ouais. Et il ne permettra pas. C'est là, là qu'il agit. Ouais. La tentation peut venir. Les preuves peuvent survenir. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de quoi De nos forces. Mais avec l'épreuve, il prépare, j'aime beaucoup ça, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. <laughs> Martial, oui. euh, d'après ce que Samuel vient de dire, un jeune vient te poser la question Pasteur, je suis tenté par rapport à telle chose. <laughs> On fait quoi <laughs> Alors, je vais peut-être apporter un élément supplémentaire par rapport à, ouais. à Samuel. Euh, je, je vais quand même faire... Euh, alors, personnellement, hein, je fais une différence entre la tentation et l'épreuve. Okay. Euh, le texte que tu nous as proposé dans Jacques est clair. Mmh. Dieu ne tente lui-même personne. Oui. Donc, ça répond déjà à ta question. Est-ce que Dieu tente Non, c'est écrit noir sur blanc. Donc là, c'est bon. Mais maintenant on entend les chrétiens dire ouais mais je suis passé par des épreuves et tout donc qu'est-ce qu'ils envoient l'épreuve? Je crois que justement la différence entre la tentation, la tentation a pour objectif qui vient alors on oui. va l'identifier qui vient du mal de mm -hmm. Satan l'adversaire de Dieu. la tentation a pour principal but de nous faire chuter, de nous faire renier Dieu, de nous séparer de Dieu et c'est ça son job oui. et il le fait bien. Ça, c'est pour la tentation. <laughs> ouais. Maintenant, je fais une nuance avec les épreuves. Je crois que, justement, dans les épreuves, euh, qui, on peut l'assimiler à des tentations, mais Dieu va mettre une limite. Il va te dire, OK, euh, là, maintenant, tu as à traverser quelque chose, mais au travers de cette, je ne vais pas dire tentation, mais de cette épreuve, mon objectif, pour toi, c'est que tu, sortes, tu en sortes plus fort. Lui, Satan, c'est pour que tu puisses renier Dieu, au contraire, pour Dieu, l'objectif de tout ça, c'est que nous nous bonifions, que nous nous euh, 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 amendions, que nous soyons euh, plus fermement ancrés dans ses promesses. Mmh. Et donc du coup, quand je dis, euh, j'ai oui, j'ai eu des épreuves, ça sous-entend que quand je suis sorti de là, j'étais beaucoup plus près de Dieu qu'avant. Mmh. Et je fais donc cette, cette petite différence. Euh, alors, est-ce que Dieu... Envoie des épreuves. Alors je vais vous le dire, je crois que oui. Pourquoi Il va doser principalement parce qu'il fait, il veut nous rééduquer oui. pour nous permettre de devenir toujours plus fils et filles du Dieu vivant. Oui. Donc du coup il y a des scories, il y a des, des petits éléments qui qui ne vont pas. Donc il, il va effectivement nous laisser euh, dans notre bain, mais au travers de ça, il va dire je suis là. Je peux te permettre de pardonner. Je peux te de permettre de prendre sur toi. Je peux te permettre de prier pour tes ennemis. Parce que moi, je l'ai fait avant toi. Oui. Et d'ailleurs, c'était le cas de, de Jésus. Voilà donc peut-être une perspective supplémentaire pour la tentation et les et, et donc, les. Donc, si, si je résume ce que tu viens de dire, euh, on peut dire que l'épreuve, c'est pour le chrétien, le croyant. Et la tentation, c'est pour celui qui chute, qui se laisse aller. À... Euh, alors, tu peux c'est vite ré résumer, <laughs> mais, euh, mais en tout cas l'épreuve. Alors oui. croyant ou pas, hein, oui. je crois que même Dieu peut donner des épreuves à des non croyants, justement pour les interpeller. Oui. Mais Dieu sait doser, il sait doser, il va pas comme le texte que tu nous apporte, il ne permettra pas qu'on soit dépassé. Il sait doser les choses pour que au travers de ça, on se peut se dire, waouh, il faut que je me raccroche à Dieu. Mmh. Le plus souvent, c'est ce qui se, qui se passe. Oui. Hein. – Le plus souvent, c'est ce qui se passe… Oui, Samuel euh, ?– Ce que, que j'aime beaucoup, là, ce que tu viens de dire là, nous apprenons aussi <laughs> ici. Hein c'est que dans toutes ces épreuves-là, euh, Dieu veut nous amener à mieux nous connaître, mm -hmm. nos et faiblesses, mm -hmm. nos limites, mm -hmm. et surtout aussi à mieux connaître ce Dieu. – Absolument. – Qui est fidèle. – Absolument. – C'est ouais. très très important. Absolument. Et c'est là qu'on grandit. Bah, c'est vous... là qu'on grandit, c'est là qu'on… Qu'on progresse, c'est là qu'on chemine avec Dieu. Ouais. Et dans tout cela, Dieu nous accompagne okay. par son esprit. Ça marche. Pour que nous soyons, comme j'aime beaucoup ce que tu dis, pour que nous soyons plus fermes. Mmh. Voilà. Alors, euh, Emmanuel, excuse moi oui. soit dit en passant, euh, n'allons pas chercher pour nous-mêmes des nous épreuves. Nous de hein. <laughs> hein. notre chemin de croix, on <laughs> ouais, peut aller voilà, chercher ça. Pour, euh, <laughs> écoutez, nous sommes presque à la, à la fin de, 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 de cette oh. leçon <laughs> qui parle des épreuves. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours des épreuves. Mmh. Et la première nouvelle est que même si tout autour de nous, tout est fermé, le ciel est toujours ouvert pour nous. Mmh. Et la deuxième leçon spirituelle, c'est que l'épreuve est pour forger notre caractère. Mmh. Pendant que l'objectif de la tentation, c'est pour nous anéantir. Et le Seigneur ne peut pas nous tenter. Je ne sais pas si vous avez euh, quelques ouais. de, de leçons de plus à ajouter. Moi, ouais, je de... pense à cet oiseau. À, ouais. à l'introduction, l'auteur oui. de la leçon a parlé de cet oiseau à qui euh, l'on apprend à chanter. Mm -hmm. S'il y a beaucoup de bruit euh, tout autour, l'oiseau ne peut pas euh, capter ouais. ce qu'il doit apprendre. Mais une fois qu'il est euh, en, dans la cage et qu'il n'entend que la voix, Excusez-moi, la voix de son maître. Là, il va apprendre. Et c'est ça l'épreuve. Les, les, les ouais. C'est l'introduction de l'auteur. Mm -hmm. J'ai connu un ami, euh, un collègue pasteur, qui, qui a justement apprenait à, ouais. à, à chanter aux, aux oiseaux. Ah Et bon. j'étais impressionné <laughs> parce que qu'il les, les, a, a un petit oiseau qui parlait presque. <laughs> Et, mais mais il, 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 il a fallu beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de patience de la part de, de ce collègue oui, ouais. pasteur. Mais après, quand l'oiseau arrive, il parle. Et c'est comme ça, nous apprenons de nos épreuves. Amen. Quelle quel, leçon spirituelle peut-être tu veux donner Alors, euh, Un enseignement J'aimerais peut-être euh, proposer à nos amis euh, le texte d'un Pierre, ouais. chapitre 1, versets 6 et 7, que je vais lire, mm -hmm. euh, qui me semble être. Euh, qui me sont ancrer encore cette confiance qu'on peut avoir. Dans l'épreuve, tu nous as parlé de sé sérénité. Ouais. <laughs> voilà. Et je vais donc euh, lire 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 6. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que, maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes mm -hmm. d'épreuves. L'or lui-même, l'or lui-même qui est périssable, est pourtant éprouvée par le feu. De même, votre foi, oui. beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de pouvoir de, de prouver, pardon, sa valeur. C'est ainsi que vous, vous euh, que vous pourrez, pardon, recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. L'or, c'est quelque chose de magnifique. Notre foi aussi, c'est quelque chose de magnifique. Et Dieu nous veut finalement donner plus d'éclat à notre foi au travers des épreuves Amen. comme l'or et passer par le feu pour enlever les impuretés, pour montrer également sa brillance, mm. sa, sa pureté. Voilà, je trouve que cette image est très très belle. Merci beaucoup. <laughs> nous arrivons à la fin de, de, cette, de cette synthèse. Hein. Nous vous remercions. Euh... Pour cette étude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et rendez-vous prochainement pour euh, la leçon numéro 4. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.